ça qu'on m'inspire. Oui, vas-y. Oh, ça fait depuis déjà 20 secondes. Pardon, ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager une petite recette avec vous de cookioche. Donc on va la faire ensemble et vous allez être avec moi tout simplement pour expérimenter cette recette. Donc j'espère que le résultat sera concluant dans tous les cas. Donc on y va tout de suite, on est parti. Alors du coup, dans un saladier, je dois écraser les bananes et ajouter l'œuf. Donc j'avais déjà préparé tous les ingrédients à la base. On y va. On est prête. J'ai des rêves, je sais. Tu vois que t'es pas sans. C'est pas évident de parler en téléphone. On a une autre affaire demain, mais si on pouvait faire ça demain, ça serait bien demain. Mais au moins, je serais de bonne humeur, détendue, c'est ce que je me dis, tu vois. Même si on rigole, au pire, je dirais Anna, elle était avec moi. Bah, de... Allez, vas-y, t'as tout. Alors j'espère, c'est bon. Ouais. C'est vrai. Non, j'arrive. Est-ce qu'on voit? Comme ça, c'est bien. Ça prend pas trop, parce qu'on va pas faire un. Ah oui, d'accord. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite recette sympathique et cookie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer en ce... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer une petite vidéo aujourd'hui de cuisine et j'avais envie de préparer des cookies. Je peux pas y aller. Des espèces de cookies, si tu veux, sinon. Un mélange entre cookies et brioche, tu peux le dire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer aujourd'hui une recette de gâteau et je m'étais dit que ça pouvait être pas mal la fonte. On va manger à 22h. 30. 23 plutôt parce qu'il est déjà 22. Putain, oui. Pas rigole, pas que tu rigoles non plus. Attends, tu mets le bouquin devant toi, je suppose. Je me oui, et puis t'arrives une fois que j'ai dit cookioche. C'est, je crois que c'est ça qui me perturbe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager aujourd'hui une vidéo de recette de gâteau toute simple, les cookioches. C'est pas possible, c'est quoi ce temps de merde? D'accord que j'ai pas dit que ça. C'est ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et partager avec vous une recette de gâteau. Oh non, c'est pas possible. De cookies à la brioche. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une. Pourquoi la rigole? Je rigole pas, moi, mais c'est du bout de la tête. Je croyais que tu rigoles. Je comprends mieux dans les séries pourquoi ils ont du mal, des fois ça doit être. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que le contenu va vous plaire. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de cookies à la brioche. Donc, j'ai préparé tous les ingrédients qui sont juste ici. Alors, vous avez besoin de 90 g de farine, un œuf, ensuite un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 50 g de pépites de chocolat, 20 g de beurre fondu, 10 g de cassonade et une banane écrasée. Donc du coup, on va commencer ça tout de suite
Alors, du coup, hop, la banane écrasée, c'est bon. Alors, ce que j'ai noté en fait, ma recette sur une feuille, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas faite. Donc... Ajouter du coup la cassonade. Je vais mélanger. Bon, du coup, on va ajouter la cassonade, le sucre vanillé. Hop. On va ajouter le beurre fondu. On va terminer par la farine et la levure. On va mélanger un petit peu. Alors ensuite, on va mettre les pépites de chocolat. Prendre le beurre que j'ai en plus ici. Tac. J'espère juste que le résultat sera concluant. Ce serait quand même dommage de se foirer lamentablement. Du coup, on va mélanger la banane écrasée avec l'œuf. Alors ensuite, je mélange la banane et le beurre fondu avec le reste de la préparation pour ensuite enfourner, mettre dans les moules en tout cas, et faire la cuisson au Cake Factory qui est hyper pratique. Non, je rigole parce qu'en fait j'ai eu peur tout à l'heure, je pense que j'ai bu juste un verre comme ça. Annabelle qui était avec nous. Et je pense que ça a dû jouer sur la suite de la recette. Et du coup, voilà, j'étais pas sûr, mais je pense que c'est bon. Mais on est naturel. Donc au niveau de la matière, la pâte en tout cas, ça a l'air pas trop mal. Je pense que j'ai plus de peur que de mal. Vous voyez, je pense que là, on est bon. Je crois que même Annaëlle et ce petit, ça va être... absolument fabuleux. Une tuerie. Une tuerie. On rigole, mais en même temps, il faut rire. Donc, hop, on est bon. Normalement, la pâte est bon. J'en fous partout. C'est pas grave. On dit, et bon. La pâte, elle est prête. Et on va enfourner dans le moule ProFlex du Cake Factory. Le moule à muffins du Cake Factory. Dans ces confinements, bon bah voilà, on va finir un petit peu alcoolisé avec des kilos en trop, comme dirait Laura Moody d'ailleurs, et elle a raison dans l'une de ses vidéos. Donc bon, il faut profiter, comme ça reste raisonnable. Donc en fait, je vais garnir et remplir mes moules à la moitié environ, et vous pouvez dire bonjour à Marley qui arrive en même temps parce qu'il y a à manger, donc forcément il est là. Je suis un peu embêté puisque j'ai deux caméras, une caméra 1, caméra 2. Hop. Je vais y arriver. C'est pas assez. Je parle à mon assistante en même temps. Bon, je peux prendre le temps. C'est pas trop vite. Cette vidéo n'a ni queue ni tête, mais je me dis peut-être que je vais vous faire rire comme ça. Et voilà, je me suis rendu compte que finalement j'avais pas assez de pâtes pour remplir les 6. Je vais m'étouffer. Bon, je suis désolé. J'avais envie de partager de la bonne humeur, je crois que là, c'est réussi. Donc je me suis dit, je vais transvaser et finalement en faire que 5, tout simplement. Hop. Alors, sur le Cake Factory, on est parti sur le programme P6 manuel pour une durée de 20 minutes à 180 degrés.
Alors du coup c'est parti pour la cuisson et je vous montre le résultat juste après. Alors là vous voyez le résultat qui est juste catastrophique parce que je me suis totalement planté en faisant la recette et c'est pour ça que j'ai décidé de la refaire après directement dans la foulée. Et là je vais vous montrer le résultat final qui est vraiment tip top et pour le coup c'est une petite recette simple et c'est top. Alors en effet la différence est flagrante avec ces nouveaux cookies, je crois que c'était ça, cookies et cookioche. Et là, voyez-vous, voilà, c'est juste parfait. C'est juste perfect. Hey les amis, voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo totalement loufoque sur une recette qui a très mal démarré avec énormément de prises, mais j'ai dû la refaire pour vous montrer quand même le résultat final. Voilà, pas face caméra, et c'était vraiment très très bon, très sympa, donc n'hésitez pas à la refaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Alors prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao !